Bref, comme tous les matins, je me suis levé à 9h. 11h. En fait, midi. J'ai regardé 1, 2, 3, 4. Plein de vidéos. Il était 14h. Je suis sorti de ma chambre. Je suis arrivé dans le salon. J'ai vu mon cousin. Je lui ai dit. Salut, Yoann. Il m'a dit. Il est gentil, mais il est pas très bavard. On joue aux cartes. Tu veux manger? Il faut du sport. J'avais faim. Je suis allé cuisiner. Après, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma journée. J'aurais pu lire un livre, faire de la guitare, faire du sport, bricoler, faire ma compta. J'ai regardé la télé. En voulant prendre mon portable, j'ai fait tomber ma bière. J'ai cherché du sopalin dans la cuisine, il n'y en avait pas. Du coup, j'ai voulu prendre du PQ, mais à cause de tous ces connards qui avaient pillé les supermarchés, il n'y en avait plus. Je suis allé voir mon cousin pour savoir s'il en avait. Yoann, tu sais pas si on a du PQ? Il en avait. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il a compris que j'avais compris, j'ai compris qu'il avait compris que j'avais compris. J'ai dit, pas. Je suis retourné dans le salon. Pour oublier ça, j'ai passé l'aspirateur, la serpillière, la poussière. J'ai même nettoyé entre les planches du parquet. Ensuite, j'ai fait les vitres. Mais ça a pas plu à mon cousin. Je suis allé sur Instagram, il y avait que des photos d'enfants, j'avais l'impression d'être un pédophile. J'ai arrêté. En ce moment, mon cousin, il adore les apéros Skype. Fais un apéro Skype. Du coup, on en a fait un le premier soir, deuxième soir, tous les soirs. Les barres nous manquent. Après, mon cousin a dit bon, je vais me coucher. J'ai entendu. Bon, je vais m'en aller. Je vais me coucher. Bref, je suis confiné.